Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Quoi, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais tu peux pas me laisser tranquille. Toujours en train de me regarder. Mais oui, je prends une douche. Alors, j'ai le droit, non? Mais si tu n'aimes pas ça, t'as qu'à rester chez toi tranquille, tu fermes la télé. Ah, tu aimerais savoir pourquoi je suis sous la douche, comme ça, en plein air? Bah parce que tu vois, derrière, là, on a pris le bateau. Ouais, on est allé avec le bateau de mon beau-frère. Quoi, tu veux venir avec moi? Tu veux voir la balade? On va faire payer la vidéo maintenant. Parce qu'on a fait des choses extraordinaires. Je vous avais promis que ça serait extraordinaire à Bora Bora. Et je peux vous dire que aujourd'hui, regardez ces images. Hein, on a quitté cet endroit paradisiaque. Alors vous pouvez voir sur l'image où est-ce qu'on habite. Et là, donc, mon beau-frère est en train de faire descendre le bateau doucement. Et c'est ce bateau qui va nous amener voir l'eau turquoise de Bora Bora. Ouais, je sais que t'as envie d'être là. Surtout toi, le Québécois, là. Moins 30. C'est sûr que t'as envie d'être là. Mais regarde, regarde ce que j'ai fait. Les requins. On n'a pas peur des requins, mais arrête tes conneries. Tu crois quoi, toi? Mais non, regarde comme ils sont cool. Ouais, bon, de temps en temps, faut retirer la main parce qu'ils sont prêts à la manger, la main. Mais jamais d'accident, hein. Non, non, non. Oh, puis les raies. Aïe, 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 les raies. Fabuleux, fabuleux. On s'est régalé. Ok, vas-y, profites-en un petit peu, allez, regarde. Je te laisse tranquillement regarder les images. Allez, vas-y. Il a failli bouffer la caméra. Ça sent bien. Ok, allez, vas-y, regarde ces belles images. Ouais, ne pleure pas, hein. Non, non, ne pleure pas devant ton écran. C'est que du bonheur. Ouais. Avec les petits poissons, t'as vu, regarde. Plein de petits poissons qui viennent manger dans la main.
attends. Attends, je coupe ici. Merveilleux, merveilleux. Ouh. Ça change des moins 50 degrés de Montréal, je vous le dis là. On oublie Montréal. Merci Fabrice, quel cadeau. Quel cadeau. Bora Bora Stopover, ça se passe ici également. Bora Bora Stopover, la meilleure façon de profiter de Bora Bora et de son authenticité. C'est avec moi qui avait fait ça la première fois. Oui. Tiens, c'est en train de filmer là. Tu as ta caméra. Ouais, comme ça je te filme.
Parce que ça, c'est important pour toi aussi, hein, qu'on te voie. Papa, il a les yeux fermés, je te raconte pas. Il a les yeux fermés à bloc. La méchante grimace. Ben, il a les yeux bien ouverts, papa, les yeux fermés, fermés. C'est pas mal, hein. Parce que tous les abonnés, j'adore papa. Avec la vidéo que j'ai fait pour lui, il sait qu'on est ensemble pendant une semaine. La carpégia de Nova. Hein, papa? Ah ouais. La vie est belle, hein. Fais-moi un bisou. That's life.
Tu vas te préparer, je vais jeter en arrière, l'oiseau va prendre ton vol. Ok. Démarre pas. Ok, go. J'ai fait baiser par le requin. Ouais, joli, 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 dans le bec. Ouais. Aïe. Ah, ils ont pas faim, hein. Je sais que la première fois de sa vie que mon père a touché des raies, okay, il n'avait jamais fait ça de sa vie avant, c'est en 2015 quand je suis venu de Montréal et qu'on est allé à Montréal. Première fois qu'il faisait des câlins en haut. Avec Jean-Pierre, hey, regarde, voilà, il y en a une belle. Papa, je t'avais donné des palmes, hein, si tu voulais palmer un peu là. Là, il y a pas une belle raie. Voilà, encore une. Je ne fais pas la frotter, je vais rentrer toute seule pour toi après.
super d'image. Ah, c'est sûr. Bah, c'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Alors forcément, hein, ça attire les touristes. Ça attire les autres. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a des raies ici. Voilà les raies. Voilà les raies, mesdames et messieurs. C'est que du bonheur sur Radio 1. En tout cas, c'est que du bonheur d'être ici. Oh, bah oui, on est obligé de rentrer, bah oui, quand même, à un moment donné. Mais regardez les couleurs du lagon. Oh, c'est que du bonheur, je vous dis, que du bonheur. Quand vous voyez cette île de Bora Bora devant vous, là, avec ses couleurs luxuriantes, ce vert qui se mélange au bleu, bah ouais, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est déjà au paradis. Allez, c'était une façon de t'amener avec moi encore une fois, un petit voyage avec toi. Et pourquoi pas? Peut-être qu'un jour, on le fera ce voyage. Quand vous ferez un peu plus de dons, hein? Quand vous mettrez un peu plus de sous sur la chaîne, peut-être qu'on pourra faire un tirage au sort et partir ensemble, faire un charter même. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont des tour opérateurs ou quoi que ce soit, ben on en parle, on en discute. En tout cas, si vous êtes juste un couple, ou si même tu es tout seul, tu veux venir à un endroit paradisiaque à Bora Bora, et que tout ce que tu as vu là sur cette vidéo, tu vas pouvoir l'avoir aussi avec les services qui vont être proposés ici. Je sais pas, moi ça donne des idées, hein. Ah oui. Ah. Aïe, aïe, aïe. Bienvenue au Bora Bora Stopover. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Pour ceux que jamais que ça intéresse, il va y avoir une vidéo prochainement sur le site. Sur leur site. Et vous allez pouvoir découvrir cette destination. Donc c'est Bora Bora Stop Over. C'est proche de tous les plus beaux endroits de l'île, les plus belles attractions. Alors ce qui est bien, c'est qu'on est à 15-20 minutes du centre-ville. Attention, on parle d'un village. Mais à côté de ça, ben voilà, vous avez juste à traverser la route et vous êtes sur le bateau et direction les raies, quoi. Enfin bon, c'est que du bonheur. Une île où l'eau est directement puisée dans l'océan, désalinisée, avec un procédé qui est était carrément à un moment donné un exemple pour le reste de la planète. Et vous voyez aujourd'hui, ben, cette eau est potable. Allez, on va quand même pas vider la réserve. À bientôt. Bye bye bye. À bientôt. Ouh!